Voilà, bonjour, je vais faire court, hein. J'ai réinstallé Arma 2, ouais, me demandez pas pourquoi, hein, je l'ai fait. Et là en fait, on peut jouer à la campagne qui est buggée, on peut jouer en multi, on peut jouer à des missions sélectionnées déjà, des missions avec des buts, et on peut créer aussi des missions, ça je savais pas. Donc du coup j'ai créé une mission là où je veux, avec qui je veux, en cible. Voilà, je dois tuer quelqu'un. Donc je l'ai déjà fait juste au préalable cette mission, parce que j'avais commencé, et puis en fin de compte après la vidéo a été coupée par cause de temps, et finalement le plus intéressant était après, et j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je commence. Voilà. Donc là, vous avez la map. En fait, moi, je suis ici. Je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, là, je tourne. Voilà, je suis ici et je dois aller à l'avant-poste. À l'avant-poste, il y a des gardes. Et je dois aller après à la cible. Je dois tuer une cible, en fait. Donc, il y a un déplacement supposé de la cible ici, à l'aéroport. Et voilà. Donc, mais en attendant, il me faut un véhicule que je pense qu'il se trouve par là. Donc je vais mettre une note, je vais mettre ici, voilà, c'est un véhicule léger, un VLB, je pense que c'est un véhicule léger blindé. Donc je vais aller voir de suite pour pas perdre de temps, et je fais continuer, pof, voilà. Donc là je commence ici, pof, voilà. Donc oula, ok. Hop, on va se mettre comme ça ira mieux. Et on va essayer d'aller déjà au bord de mer, voir si je peux avoir mon véhicule. Parce qu'il m'a semblé que tout à l'heure il était là. Donc je vais aller voir. Si c'est le cas, ça va grandement arranger ma mission, on va dire. Alors j'ai croisé un hélicoptère qui s'est scratché et tout. Enfin, c'était vraiment à filmer, quoi. Et vraiment, je suis dégoûté de ne pas avoir filmé. J'ai réussi ma mission en plus, hein. Donc là, je la refais. Avec une petite connaissance tactique, on va dire. Par contre, il me faut vraiment ce véhicule, hein. Je sais pas où il est. Oula, quand ça commence à faire des sons comme ça. Vous voyez le son qu'on vient d'entendre? C'est un son que j'avais en mettant les mises à jour. Bon, je vais aller là où j'ai dit. Alors attends, par où c'est? Je suis ici, il faut que j'aille tout droit, un peu à gauche et tout droit. Voilà. Allez, vas-y mon gars. Je pourrais y aller en voiture éventuellement, mais il faut que je passe par l'aéroport. Bon, je préfère aller directement prendre le camion là. À moins qu'il ait changé, hein. À moins que les missions soient... Change. Parce que normalement, il devrait être là le véhicule, hein. Ah, je les ai détruits avec ça. Il n'y en a pas un qui m'a touché, quoi. Pétard. J'espère que je vais le trouver parce que sinon je vais perdre du temps à la vidéo là. Ça va pas être bien. Oh. En fait, je crois qu'il était là. Hein. Le problème, c'est que je crois qu'il change les trucs. Je suis pas certain de ça, mais. Il faut. Où est-ce que c'est? Ah, c'est ici! Oh pétard, il est de l'autre côté! Mo chou 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 chou! Alors, ça veut dire que je suis ici. Mon véhicule que je dois aller chercher, il est là. Oh là 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 là, c'est même pas en rêve. En fait, il faut que je passe ben, par l'aéroport à gauche alors. C'est parti. Allez, on va essayer de faire vite. Oh là 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 là. Oh le stress. Ah, en plus, il s'est barricadé, non? Je pourrais jamais passer. Ah si là, oh, il n'y en a pas ici, cool. Bon, je vais à l'aéroport qui se trouve en face là, vraiment pas loin. Je prends un véhicule et on continue derrière et je vais chercher donc ce qu'il me faut. J'espère ne pas me faire tuer parce que j'ai vu qu'il y avait des patrouilles. Et il n'y en a pas qu'une, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas qu'un mec, hein. Il y a toute une ribambelle de mecs. Allez vite, de soldats, c'est des soldats en fait. Donc là, vous avez la gestion de l'essence aussi. Votre véhicule que vous prenez, il y a de l'essence apparemment, qui peut diminuer.
Vous avez, on peut piquer les armes sur les mecs, on peut trouver des véhicules là et les utiliser. Donc voilà, j'ai mon gars là qui est en train de souffler son martyr. À courir avec un bazooka dans le dos, c'est pas forcément bien. Est-ce que je peux le jeter? Alors je ne sais pas comment faire apparaître l'inventaire. Je sais pas. Donc pour l'instant, je ne sais pas faire. Je me rappelle pas et peut-être sur la. Ah, peut-être j'ai une tête la notice. Le temps qui court, je regarde. J'ai peut-être. J'ai le bouquin. Ah ben oui, j'ai le bouquin devant les yeux. Alors, il dit quoi? J'ai carrément le bouquin de Arma, oui, c'est un fascicule, mais il est épais quand même. Hein. Il est épais. Ben tiens, on va prendre la voiture qui est là. Et à l'époque, je sais que j'avais eu un truc. Bon, on va prendre cette voiture. J'avais eu un espèce de papier qui se collait sur le clavier, je crois. Parce que j'avais pris la version, une belle version en fait. T'es crevé, mon gars. Allez, vas-y. C'est pas la meilleure voiture parce que tout à l'heure j'ai pris l'autre et elle est mieux. Vous voyez, dedans, on y voit comme ça. On peut un peu regarder en bas si on veut. Voilà. Alors, j'ai pris le camion qui était à droite là, qu'on vient de passer, celui-ci là, je sais pas si on le voit. Voilà le camion là. Là, il y a des mecs hein, tout droit. Donc, il faut que j'aille par là. Je vais prendre juste la map, voir où je vais. Ouais, après, il faut que j'aille un peu à droite. Ok. Je vais aller au maximum là-bas et après. Mais peut-être j'aurais dû prendre le camion. C'est la voiture, hop. Ah ouais, pour défoncer ça, la voiture, elle roule mal. Elle n'est pas prévue pour rouler sur les trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. Elle m'emmène déjà à quelque part, c'est déjà ça. Mais avec le camion, ça va plus vite, hein. Là, je monte les vues en même temps. Avec ça, c'est avec le pavé numérique. On peut regarder en l'air, en bas. Bon, c'est pas très intéressant, mais je vais essayer d'aller vite. Il nous reste 20 minutes. Ça va aller vite. Après, une fois que j'ai le VLB là, la cible, je vais la fracasser. Ils ont rien compris en fait. Je suis arrivé et boum. Donc là, je vais essayer de refaire la même chose. Ce sera plus marrant pour la vidéo. Non, à savoir que j'ai mis aucun patch là. J'ai pas mis à jour quoi que ce soit. Parce que quand je mettais à jour, en fait, le problème c'est que j'avais. Alors, graphique nickel et tout. Sauf. Alors, tous les sons, très bien. Sauf les effets. C'est-à-dire les animaux, les armes, l'herbe, tout ça quand on se déplace. Tout ça, j'avais un scratch à la place. Donc c'est injouable, enfin c'est pas agréable du tout, à part si on baisse le son. Donc du coup j'ai pas. Ça m'a un peu frustré et j'ai tout viré. Et puis là comme j'ai vu qu'on pouvait mettre un mode zombie, donc je vais mettre un mode zombie là tout à l'heure sur le Arma, Arma 2, mais c'est pas DayZ, c'en est un autre. Il y a des chiens, j'ai vu il y avait des chiens. Ça avait l'air pas mal, il y avait d'autres personnes, enfin. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors là, on fait une petite pause. Je suis où là? Ah ben c'est bon, je vais tout droit, c'est bon, j'ai mon VLB là. J'espère que je vais pas fracasser ma voiture non plus. Parce que là, vous abîmez votre voiture, hein, vraiment. Hein. Et avec le tank tout à l'heure, je fracassais des arbres. Enfin, avec le tank. Et en fait, ça s'arrachait quoi. Donc, c'est respecté quoi, la force des véhicules. Voilà, il est là. Avec ça, ça va aller. Ça va aller bien aller. Faut juste que je le prenne et c'est bon. Je suis tombé dessus par hasard en fait. Hein. Je regardais pas le plan en fait. Voilà, ça va être génial. Aïe, ça c'est moins génial. Bon, allez, on va la laisser là. Sortir. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un hélicoptère passer aussi. Je lui ai tiré dessus, mais je l'ai raté.
Et je crois qu'ils ont envoyé un hélicoptère pour le fracasser, mais il s'est fracassé tout seul, l'hélico. Voilà, donc je vais vous montrer le type de véhicule que c'est, vous voyez. C'est un véhicule léger blindé, en fait. Et donc je prends la place du tireur, comme je suis tout seul. Je prends la place. Il n'y a pas un hélicoptère là ? Il y a un hélicoptère. Tireur. Il y a un hélicoptère qui vient de passer. Putain, il est là-bas. Je crois que c'est le VIP qui arrive en fait. Ok. Alors je vais prendre la place du conducteur et on va y aller. Ouais, c'est le VIP. Il a un. Ah, il y en a deux ? Il revient. Il est mal tombé parce qu'avec le véhicule que j'ai. Oh putain, c'est bien, c'est cool ça. C'est pas passé comme ça tout à l'heure. Tout à l'heure, il est passé, mais il s'est pas arrêté. Il a pas fait un deuxième tour. Il est là. Il revient. Il est marqué quoi ? Attention au tir. Ah, c'est mon copain, je crois. Ça doit être ça. C'est mon copain. Enfin, c'est mes. Bon allez, quoi qu'il en soit, on se casse. J'espère qu'ils vont pas me tirer dessus parce que. Attends, il avance pas ce truc ? Non mais attends, je rêve. Allez ! On va aller tuer la cible. Alors la cible, elle est où là ? Là, moi, je suis ici. Je vais faire à gauche et tout droit. Destroy target, il me marque. Ah ouais, non, mais c'est pas par là. C'est pas lui, c'est le plus loin. Je vais passer par la forêt, c'est pas grave. Allez, hop. Pas s'embêter la vie. Donc, quand on est dans le véhicule, ça fait ça, en fait. Voilà, vous voyez, c'est pas très pratique. Vous allez voir. Vous voyez ? On voit, mais bon, c'est pas le top. Donc là, alors c'est où Destroy véhicule ? C'est ici ? Bon, déjà, je vais mettre en tireur. Ouais, il y a quelque chose là. Bon, déjà, on va. Attends. Ouais, ce qu'on va faire ? Ouais, c'est lui. Je vais me mettre vite en conducteur, je vais reculer un peu. Parce que là, j'ai pas l'angle. Allez, je me mets en tireur et c'est parti. Ah ouais, mais je suis mal placé. Objectif accompli, d'accord. Je reviens en conducteur, il nous reste 14 minutes. Et on va à la cible maintenant. Attends, il me dit quoi là ? On va à la cible, on va pas. Ah, moi je vais aller tuer à l'avant-poste. Hein, je... Non. Où allez l'ami, le truc ? C'est à gauche, avant-poste à gauche, faut que j'aille à gauche. Allez hop, on va aller à l'avant-poste, on va voir un peu ce qui se passe. Ça explose apparemment. J'ai vu des gardes moi tout à l'heure. Enfin, comme un petit régiment quoi, donc tout à faire c'est intéressant.
quoi là-bas là? Bon, on va aller à l'avant-poste 2. Qui est. Alors à droite. Tout à fait à droite, il y a l'avant-poste 2. Alors on va se mettre en conducteur. Ah, c'est parti. On va passer par la route, tiens. Que je renverse pas mon truc parce que tout à l'heure je l'ai renversé. Heureusement, je suis arrivé. Bon, je crois. Oula, il y a quelque chose là. Place tireur. Il y avait des gardes hein, tout à l'heure, je suis sûr de ça. Ensuite, on va aller à l'avant-poste 3. C'était l'avant-poste. Ouais. Attends, là, je suis à l'avant-poste 1. Avant-poste 1, je l'ai fait. Avant-poste 2, je sais pas. Alors que. Bon, je vais aller jeter un œil de visu comme ça, là. Voir si tout est OK. Il me reste 12 minutes, ça va, j'ai le temps de faire le tour. Oh, il y a des mecs. Putain, il y a des mecs. Tireur. Putain, il y a des mecs, je les ai vus. Ils sont allongés. Alors, tout à l'heure, c'est eux, ils m'ont fracassé. Alors, vous n'avez pas vu la vidéo, mais la première vidéo, je me baladais à pied. J'arrive, ils m'ont tué. Voilà, c'est pour ça que... Je prends un peu ma revanche là. J'ai rien, j'ai franchement, hein, ils étaient deux, ils m'ont tué, mais comme ça quoi. C'est bon là? Il est mort lui ou quoi? Attends, tu rigoles ou quoi? T'as vu que je tiens mon gars? J'aurais bien aimé piquer l'hélicoptère là, mais je sais pas. Qui c'est qui tire là? J'entends des tirs. Bon, Alan, si tu m'entends, j'ai besoin d'un tireur. Voilà, donc à deux, c'est peut-être mieux pour se balader. Alors, ceci étant dit, il a encore envie, lui, là. Hein, ah, il m'a marqué fusillé. Ah, mais il est pas mort. Oh, jamais? C'est pas vrai! Alors, okay, je ne sais pas du tout. Je crois qu'ils ont détruit mon véhicule. Voilà ce que je peux penser. Pétard de Brest. Voilà, bon, bah ok. J'ai besoin aussi de deux infirmiers aussi. Bon, on va la jouer à l'ancienne. Il nous reste quoi? 10 minutes. Pétard, je devais réussir cette mission. Ça, c'est fou, ça. Bon, il me reste le bazooka. Hein. Je peux toujours... Oh là 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 là. Je vais aller vers... Attends, je vais vers où, là? Tant pis, hein. Bon, bah, tant pis. C'est la vie. Avant-poste à gauche. Voilà. Avant-poste, je vais le trouver là-bas. Par là. Le problème, c'est que c'était bien avec le VLB, mais à pied, c'est différent. Et deux hélicos, là, enfin, ou l'hélico que j'ai vu, là, j'aurais bien aimé le récupérer aussi. Bon, c'est pas grave, ça vous fait voir deux styles de jeu, deux styles de gameplay pour la même mission. Alors, je crois pas qu'on gère la nourriture. Hein. Par contre, on peut avoir des bandages, des trucs comme ça. Par contre, je trouve pas des trucs, à part des fusils ou quoi, mais je trouve pas des bandelettes ou des trucs comme ça, je crois pas. Hein. Ou des canettes de coca, des trucs. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'ils m'ont tué de loin en plus. En même temps, il récupère parce que le mec, il respire comme un bœuf là. Ok. Il est où le petit gars? Ok, l'avant-poste, il est tout à fait ici en fait. Ok, ça marche. Alors on va se mettre plutôt couché et c'est parti. Cette fois-ci je leur tire dessus, hein, j'ai rien à perdre. Le décor est fantastique. Oh putain ils sont là. Putain.
Oh putain. Ok. Bon allez. Pour l'honneur, comme dans le cinquième élément. On va juste. Ah, en fait, je me suis trop rapproché, quoi. Vous voyez, quand on n'a pas le VLB, voilà ce que ça fait. Donc j'ai le choix, hein. Je peux aller chercher une voiture, la faire rouler, éventuellement la faire exploser. Les mecs qui viennent, je la fais exploser. Enfin, j'ai différentes approches, hein. Voilà, je vais faire ça, c'est mieux. J'entends une Jeep, hein. Je suis sûr de ça. Hein. Il y a une Jeep derrière moi. Il y a un camion qui vient d'arriver, en fait, plus loin. D'accord. C'est le gros camion là. Oh pétard, je vais le détruire avec le. Ah c'est sûr. Je vais le détruire avec le bazooka. Je suis où moi? Un peu à droite, voilà. Le camion, il est derrière la colline là, juste au-dessus. Je vais le détruire, c'est sûr. Je vais prendre le bazooka, je vais le détruire. Et les mecs, peut-être s'ils sont à côté, ils vont exploser avec. J'espère qu'ils sont. Ah, ils vont se déployer par contre. Ah, je me disais, j'entendais un camion, je sais pas d'où c'était. En fait, il est là. Alors attends. Là, je suis très proche. Donc on va se mettre comme ça et on avance. Déjà, il faut que je mette mon truc. Je vais armer mon bazooka. Voilà. Je vais aller à l'indienne. À l'ancienne et à l'indienne. À l'ancienne, c'est à pied, à l'indienne, parce que je vais ramper comme un lézard. Attends. Hop là. C'est où? Il est là, il est devant moi, le camion. Il devrait être là. Je vais me faire tirer dessus. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est juste en contrebas. Attends. Si je me mets à terre. Non, mais c'est bon. Je fais le. Et ils sont accros, les mecs. Hein. Ils défendent bien leur truc. Hein. Comment et d'où ils tirent? Putain. Il est là, le camion, il est là. Je vais faire le tour. Maintenant qu'ils m'ont localisé, je vais faire le tour et ouais, par la droite, par la gauche, je vais contourner. Comme il me reste 5 minutes, pétard. Je détruis le camion et c'est tout. J'étais pas loin, hein, pourtant, hein, la première fois là. Ah, il est blessé en plus. Ah, mais là, je sais même pas comment prendre l'inventaire, donc je peux pas le soigner. Tout ce que je peux faire là, c'est me faire le camion et c'est tout. Je sais pas s'ils contournent, je sais pas du tout leur principe de combat. Est-ce qu'ils se postent? Est-ce qu'ils vont contourner? Parce que là, mon truc il est où là, du coup? Ah, il a bougé! Ah non, non, il est carrément. Ouh là là, il est carrément là le camion. J'ai un peu trop fait le tour. Il est où ce petit? Ouais, il est à 1 heure à peu près, donc il est ici. Et ouais, il est blessé le mec. Il a dit shit. Je peux peut-être l'avoir à distance, mais bien sûr, je pense. Il devrait être là, hein. Oh, pétard de Brest! C'est des. Putain, ils ont que. Et je vais me faire tuer, bon sang de bois! T'as grippe pas dans les. Ouais, vous allez voir, ça va vous faire drôle. Et oui, il a mal. Hey, en fait, ouais, je sais où ils sont. Je crois savoir où ils sont. Mais là, ils me tirent dessus, là, maintenant. Hein. Ça devient. C'est pas marrant. Hein. Oh, pétard, ils sont là-bas, je les vois. Bon, je vais être obligé de changer de. Changer. Mais ne charge pas. Oh là là, il me fait de la peine. M16, prends le M16 à 4, vite. Il est en bas, le mec, je le vois.
Allez, il va me tuer, bon sang de bois. Il tremble, il tremble. Il se cache, il se cache. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, mais aussi, putain, c'est bien. Ça m'incite à rejouer, ça. Combien, là? Ben, rien du tout. 3 minutes, on fera rien. On fera rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas, apparemment, choisir ses armes en partant, là. Je crois pas. Non, non, on peut pas. Donc, parce que j'ai choisi un mec comme ça. J'aurais dû prendre un autre gars, en fait. Ah, c'est pas ça que je veux. Donc là, si je vais tout droit, normalement, je vais tomber sur le... Ah, on peut faire ça aussi? D'accord. Il y a le camion... Putain, je sais ce que je vais faire. Prends vite, vite ton truc, là. Allez, le camion est en train de rouler, donc je vais l'avoir. Je l'entends. Il me reste combien? 2 minutes. Non, puis en plus, c'est pas un... C'est pas un coureur averti, lui, hein. Pétard. Peut-être que j'aurai un peu de chance si je peux... Normalement, là, il est où, là? Il va... Normalement, il est là, le truc, hein. Normalement, il arrive, hein. Allez, redresse-toi, mon gars, là, parce que là, on s'en sortira pas, hein. Et il souffle, hein, il souffle. Hein. Pétard. 1 minute 40. Ah là là. J'aurais même pas le plaisir de le détruire, ce truc. Il est là, je le... Il est par là, il est par là. Ah, il est là. Oh putain, il est là. T'es mort, mon petit gars. Salut, les gars. C'est bon. 1 minute à la fin. 1 minute avant la fin. Alors, il recharge. Ouais, mais allez-y, c'est pas grave. J'ai fait mon truc, c'est bon. Tu vas pas être déçu, toi, tu vois. Voilà, maintenant, on se casse. On a fait notre truc. Non, tu te casses, j'ai dit. Allez, c'est bon. M16 à 4. Vite. Oh là là, c'est pas un doué, le mec, hein. Ouh, chouchou. Recharge un peu, ça sera bien aussi. Il nous reste rien du tout, 40 secondes. Oh pétard, je vais prendre une voiture, je me casse. Et oui, c'est ça que je vais faire. Je vais vous dire parce que ça va couper. Je vais prendre la voiture au hangar, je vais aller chercher le VLB, je vais revenir et je vais les éclater. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Eh, t'as mal, mais c'est rien. C'est le métier qui rentre. Allez, 10 secondes. Bon, bah tant pis, hein, ça sera déjà... Voilà, hein, donc je vais prendre la voiture, je vais au VLB, et après, je reviens et je les fracasse, et je rentre, et la mission est finie. Sans là, j'ai détruit Jane...